Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Voilà, on y est, début de la rencontre. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Ce sera certainement Gareth Bale. Je pense que c'est l'un des meilleurs ailiers du monde. Avec sa vitesse en plus, il crée le danger à partir de rien. Il fait aussi de bons centres et sait repiquer dans l'axe pour frapper. C'est un joueur super complet. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Il tente de la jouer dans l'espace. Il relance côté droit. Ils obtiennent un coup franc. Le ballon sort. Il joue en profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il joue dans l'espace. Bien joué ça. Bale, bien servi. Attention la frappe. Dans le dos de la défense, ça passe dans l'axe. Jusqu'au bout. Ah, c'est dedans. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. C'est un scénario incroyable. Il glisse le ballon en profondeur pour trouver la faille dans la défense. Oh, très bon ballon. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Oh, la frappe. Un autre tir. Loin, mais ça ne rentre pas. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il file vers le but. Oh, le petit ballon piqué. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Kirikes, un long ballon vers l'avant. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il décide d'allonger le jeu. Le centre dans la surface.
C'est joué long. Et ils vont effectuer cette touche. Quelle passe! Kirikès. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il a pris tout le monde de vitesse. C'est puissant sur l'aile. Il reçoit le ballon. Centre à ras de terre. Un centre dans l'axe pour personne. C'est vraiment dommage. Il y avait beaucoup de monde dans la surface. Malheureusement, ça ne trouve personne. Un ballon intéressant. Quelle précision. Allez, c'est dangereux. Le tac dans la surface. Quelle solidité, bien joué. C'est joué long, attention. Ce ballon dans l'axe. C'est une occasion, ça. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ses joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Seconde période. Bon, j'avais fait un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Encore une bonne intervention. C'est centré dans la boîte. Kirikès. Dans le dos de la défense. C'est bien écarté. Mais ils peuvent être soulagés sans ce mauvais contrôle. Ça aurait pu aller au bout. Ah, c'est quand même dur pour lui. Une petite erreur et c'est toute la contre-attaque qui tombe à l'eau. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Une très longue passe. Il glisse le ballon en profondeur. Bale reçoit le ballon. Ça manque un peu de solution. Et le one-man show continue. Il peut tirer. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Belle passe lobée. Il va frapper. Il prend sa chance. Oh oui. Je le sentais venir celui-là. Je vous le jure. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça! L'échauffement se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé, on va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Ça va vite.
parvient à centrer. Et cette tête ! Long ballon dans le sens du jeu. La longue passe, il peut en profiter. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Ça ne passera pas. Une très grande ouverture. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Voilà un coup franc qui est une occasion de but. Un coup franc intéressant, va-t-il centrer ou le frapper directement ? Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas ! Ce sera une remise en jeu. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Il enchaîne les dribbles. Ça va très vite sur le côté gauche. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Stuani, il joue dans la profondeur. Bogdan Stankou. Et oui, faute. Coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. On est pratiquement à la fin du temps additionnel. Kirikès qui choisit le côté gauche. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et ce match se termine sur ce score nul, mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. Au revoir à tous, à bientôt, on se retrouve très vite. Merci Darren de m'avoir rejoint pour ce match.